Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul. C'est un haul concernant une box. J'étais donc abonnée à une box précédemment que j'ai arrêtée et je me suis abonnée là en début d'année à la box Tout en colle. C'est une nouvelle box que Noël de la boutique Tout en colle a mis en place. Et donc, il y a dedans des découpes bois, pas beaucoup, des tampons et des mots, un pochoir. Ce qui en dessous ne fait pas partie de la box, le papier. Donc, c'est une box qui coûte 20 euros par mois, frais de port inclus. Et tout ce qui est dans la box, c'est ceci en fait. C'est créé donc directement par Noël. C'est elle qui crée ses découpes bois, ses pochoirs et ses tampons. Donc, voilà, je voulais vous montrer ça. Donc, dans la box du mois de février, parce que dans chaque box 20 euros, vous avez, comme je vais vous montrer maintenant, un pochoir. Donc, je vais vous prendre un petit papier. Voilà. Alors, ce ne sont que des bulles. Il est super beau. Il fait 15 par 15. Le thème de cette box, c'est dans ma bulle. Donc, ceci explique cela. Voilà. On a également donc un joli tampon avec une petite grenouille qui est ici. Ici, on a des bulles et ici, on a un petit sentiment. C'est des clings montés sur mousse, pardon. Voilà, il n'y a plus qu'à le mettre sur le bloc acrylique. Toc. Et il y a aussi donc toutes les découpes bois. Je vais sortir avec le même thème. Voilà. Donc, on a des mots. Ici, il y a page, dans ma bulle, bulle créative, d'une bulle à l'autre. Donc, effectivement, puisque c'est le thème. Page à nouveau. Donc, là, on a des feuillages très, très beaux. Des petites cages. Et donc, vous voyez, c'est marqué ici. Donc, tuto février dans ma bulle. Donc, le tuto. Comment je vais vous expliquer ça? En plus de ce que vous voyez là, il y a aussi un tuto vidéo qui est exclusivement pour les personnes qui achètent la box. Ce sont des tutos mini-albums. Et un mois sur deux, donc en janvier, c'était Noël qui faisait le tuto. En février, c'est Dada Scrap qui fait le tuto, donc celui-ci. En mars, ce sera à nouveau Noël, etc. Donc, elle travaille bien sûr à chaque fois sur une collection de papier qui ne fait pas partie de la box, mais que moi, j'ai acheté parce qu'il y a longtemps déjà que cette collection me faisait de l'œil. C'est la collection de l'encre et l'image dans ma bulle. Elle est absolument magnifique. Elle est dessinée par Manuela Jamet. J'adore ce que fait Manuela. Je suis abonnée à plusieurs de ses ateliers. J'adore ce qu'elle fait. Donc, il y a dedans d'abord une planche d'étiquette, comme ceci, qui est très, très belle. Donc, avec des couleurs... tout est à l'aquarelle. Hein, tout ce qu'elle fait est à l'aquarelle. En ce qui concerne ce genre de choses, je pense ne pas me tromper en disant qu'ici c'est du rose opéra, du style de grain vert et ça doit être de l'indigo ou quelque chose comme ça. Donc très beau. Et ensuite, donc, je vais vous montrer les papiers. Ils sont de toute beauté. Alors, je les avais vus sur la boutique, mais je ne les avais pas vus en vrai. Et franchement, donc voilà déjà les étiquettes. Voilà, au dos. Ce sont des petits ronds de couleurs. Alors, en bas, il y a des mots aussi. Hein. Donc, au verso, on a « Aujourd'hui, c'est décidé, je bulle, flâner le nez au vent, petite pause au soleil, l'art de ne rien faire, du temps pour nous, bulons ensemble. » Donc, ça, c'est sympa. Ça fait plein de petits mots. Regardez cette page, c'est joli. Magnifique, avec les textes en blanc dans l'aquarelle. C'est de toute beauté. Et là, au dos, voilà, des petites fleurs avec des feuillages. Ça ressemble un petit peu à l'eucalyptus. C'est très joli, je pense que ça en est. Donc là, on n'a pas de mots, on n'en a pas sur toutes les pages. Celle-ci, encore une fois, qui est de toute beauté. Avec un nuancier ici. Là, on a une chute de découpe, enfin, le négatif d'une découpe. Au dos, c'est très, très joli aussi. Alors, ça, elle le fait avec un art printing. Je crois que c'est chez l'encre et l'image. Ce sont des art printing. J'en ai un, moi. Je ne sais pas. Je vais essayer de vous le retrouver. Si, il est là. Non, c'est pas le même. Ils en ont, je crois qu'ils en ont deux, d'ailleurs. Et effectivement, hop. Moi, j'ai celui-ci. Donc, l'art printing, ça se présente comme ça. C'est juste un caoutchouc, finalement.
comme de la matière à tampon, mais qui n'est pas montée sur mousse. Et ça permet donc de travailler ou avec des aquarelles dessus ou avec de l'acrylique que vous appliquez au rouleau, au petit rouleau comme ça. Voilà, vous mettez de l'acrylique à côté et vous venez l'appliquer. Ensuite, vous retournez votre tampon et hop, voilà. C'est pas un tampon, hein, c'est un art printing. Et vous pouvez aussi l'utiliser sur votre gel presse afin de faire des empreintes. Vous mettez votre peinture et ensuite vous le posez à différents endroits et ça vous donnera des empreintes puisque ça va retirer la peinture acrylique. Donc ça, c'est fait avec ceci. Donc vous voyez, c'est le second qui est très très beau aussi parce qu'il a différents cercles. Il est vraiment très chouette. Donc voilà. Ce papier, qui veut quoi dire qu'il est à part qu'il est magnifique. Voilà. De toute beauté. Au dos, encore magnifique. Hein. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment très beau. Se concentrer sur l'essentiel, mais savourer les futilités. Accepter l'imprévu. Mettre dans chaque journée une bonne dose de fantaisie et s'ouvrir au monde. Donc là, on a encore des petits mots. On a ensuite cette page qui est très belle aussi. Tout est fait sur un fond bois blanc et le dessin se retrouve sur le côté. Très très beau. Alors le papier, vous voyez, est un peu abîmé. Ça c'est Merci la Poste qui a voulu absolument le rentrer dans ma boîte aux lettres. Et évidemment, elle ne fait pas 30. Donc, ils m'ont abîmé. Le dos, des jolies petites fleurs, très chouettes. Et on a à nouveau des mots, cette fois ils sont en rouge, écrits en blanc sur fond rouge. Bulle de douceur, bulle de tendresse, bulle de fantaisie, bulle d'amour, bulle d'oxygène, bulle d'amitié, bulle de créativité, bulle qui pétille. Donc très sympa. Et là, celle-ci à nouveau, qui est encore, on retrouve, vous voyez, le print là, qui est très très beau. Et au dos, on a ceci qui est magnifique aussi, avec une très belle frise là. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc on a une, on a deux, on a trois, quatre, cinq et six pages. Voilà, six pages plus, alors en recto verso, plus les étiquettes, voilà. Vous voyez, ça tient très très bien, hein. Voilà, pas de souci. Je vais prendre un papier ici, de la VersaFine claire, elle est noire. J'aurais peut-être dû prendre ma presse à tampon parce que comme c'est la première fois qu'il tamponne, c'est pas sûr que ça marche super bien. On y va. J'ai bien bien appuyé et voilà, c'est superbe. La petite grenouille très chou et c'est tous les chemins mènent au bonheur. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et là, on voit les petites bulles. C'est vraiment très joli. On peut presque le laisser comme ça en fait et hop, on détourne, on fait une petite carte et la carte est faite quoi. Et le coloriser et c'est déjà terminé. C'est super mignon. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est donc ma box de chez Tout en Colle. Voilà, je vous rappelle, elle coûte 20 euros, c'est-à-dire le tuto pour le mini-album, un pochoir 15-15. Là, sur celle-ci, il y a trois tampons, ça dépend des fois, puisque ça dépend de la grandeur du tampon, etc. Et des embellissements bois. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires, ça me fera plaisir et je vous fais plein de bisous. Au revoir.